Three, two, one. Bonjour, bonsoir tout le monde. On salutation spéciale pour tout internaute yo et son plaisir encore une fois pour nous rentrer la caillou pour nous porter pour Flash Sport qui toujours passe sur page web qui c'est Flash TV Haïti. J'en toujours dit Flash TV Haïti nous présente sur toute plateforme yo net, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou encore sur channel YouTube nous on toujours monter ou partager ou like ou porter des commentaires autour de toute émission que nous gagne passer qui passe sur Flash TV Haïti. Et le numéro nous aujourd'hui, nous pourrons parler de tennis. Tennis en tant que sport de raquette. Et plus ou moins, nous pourrons regarder l'historicité de ça, qui va jouer ça sorti. Et nous regarder ensemble de périodes évolutives que le tennis en connaît. Et surtout, nous regarder tout comme méthode de comptage qui gagne au niveau du tennis. Nous avons plus ou moins regarder tout sous saison de tennis, ça qui a fait yo, et ça qui a gagné pour venir tout, etc. C'est essentiel ça que n'a pour jeudi le numéro nous pour jeudi n'a pour coup de pause n'a tourner pas de brèche. 3 2 1 Arly la Rivière en concert le dimanche 17 avril sur la scène de l'Olympia à partir de 20h pour une soirée inoubliable. Retrouvez le king du compas, Arly la Rivière, avec son groupe New Look pour un show exceptionnel pour fêter les 25 ans de carrière rempli de tubes et de hits pour un spectacle inédit. Dimanche 17 avril dès 20h, New Look et Arly la Rivière vous invitent pour ses 25 ans de carrière sur la scène de l'Olympia. Un concert signé ACP. Info line 06 51 48 58 92. Je t'ai annoncé, hein, c'est tennis, parce que tennis en tant que, genre tout le monde toujours joue, que tennis en tant que sport, genre, pile le monde définit tennis là, comme un sport de raquette qui joue en simple et en double, et parfois en double mix tout. Et qui, tennis, c'est un sport qui joue sur une surface rectangulaire, que aurait les cours, et en simple, les jeux sont une surface de 5 mètres et 8 mètres 23 de longueur et 5 mètres 40 de largeur. Et nous sommes capables de dire que si boule, ballon, balle tennis là même, et les gon circonférence peut-être nous mettre 6 mètres 35 et 6 mètres 67 de centimètres, etc. Et si nous plus ou moins retournons dans l'historicité de ça tennis là, qui gagne comme peut-être, même genre ensemble de l'autre jouet, tant que pelote, etc. Mais tennis là gagne en 7 du tout. Surtout, vous parlez de ce tennis là, vous parlez de ça que le jeu de paume là. Le jeu de paume là, c'est, si nous retournons, c'est. Plus précisément, c'est en France, l'empereur 13e siècle, surtout dans le cour royal, côté moine, leur façon pour essayer de divertir, ils étaient utilisés pour paume de la main, c'est-à-dire pour pratiquer sans relier paume de la main pour essayer de jouer l'ensemble du cour royal qui était gagné. Mais avec vingt pas mal de évolution tout, la même période ça, côté même moine ça, ils étaient utilisés des gants, t'es venu une période tout côté où venu utiliser des gants de fer côté où t'es qu'on utilisait à cause de bio des mettre gants pour parfois pour divertir toujours c'est ensemble de évolution qui t'es venu gagner mais véritablement bralguin l'autre histoire côté jouer ça bral chita c'est période capable dire durant période renaissance côté ensemble de roland ensemble de la cour royale côté grand ensemble de rois qui t'ai commencé à jouer ça par exemple du roi tant que Henri IV Henri capable dire Henri IV Louis VI pour citer que cela seulement mais en pile monde bral dit que véritablement c'est à partir de 1874 bon cap dit 24 janvier 1874 avec un retraité de l'armée qui c'est le général major Wingfield qui sont anglais mais qui étaient frais qui par moment qui tout qui était entré qui était dans l'armée indienne c'est-à-dire c'est dans période ça qu'ils sont retraités de l'armée qui était il était qu'on a pratiqué jouer ça pour le dernier propre raquette et l'encou là kayli etc. mais il était gagne tout matériel adéquat et puis il était commencé à jouer ça bien suite que bral bal par tennis véritablement bral dit que tennis là bral prend naissance en Angleterre 24 février 1874 avec major Wingfield etc. mais bien rapide que jouet ça bral
véritablement entendre un peu partout à travers l'Europe. Si nous allons à partir de 1800, si nous allons à partir de 1000, même période 1878, un peu partout en Europe, que ce soit en Allemagne, avec un ensemble d'Anglais qui étaient peut-être à vivre dans l'espace ça, et puis qui étaient portés jouer de ça, qui étaient commencé à véritablement porter atteindre leur société, dans d'autres sociétés. Et si nous allons bien rapide, nous allons garder un ensemble de périodes évolutives que Tennis Tambral connaît. Bon, période évolutive Tennis Tambral connaît, c'est Sanri l'Air Open. C'est à partir de l'Air Open que arrivé, c'est à partir de 1968 que c'est véritablement, c'est Bralon, véritable profination du tennis. Là. C'est une période et entre Bralon, profination du tennis, je ne dis pas profination du tennis, on Bralon, alliage entre l'amateurisme et le professionnel, c'est Bralon, véritable moment et sort du tennis. Là. Mais si on essaie de retourner la même année 20 euros, par exemple, avant période pour finir son tennis, là, je ne dis Air Open, là, c'est un véritable mouvement évolutif tennis. Là. Mais période année 20, là, si nous prenons tennis, c'est toujours à jouer, t'es période côté domination française, surtout de période ça, si nous prenons 1920 à 1932, il y a pas forte domination période française, côté les quatre mousquetaires, période ça, t'es gain et René Clocher, t'es gain Jean Bouroutra, t'es gain René Lacoste ou encore Henri Clocher ou Suzanne Anglais, mais période yo t'abral dominé période ça qui t'abral prend fin jusqu'à 1932 avec un dernier tournoi de Roland Garros que Henri Clocher t'abral prend, c'est t'abral véritablement moment et domination française. T'abral prend fin. Après t'abral gain période là même après même année 32 ça tout t'abral gain domination américaine yo passant par années 60 et 70, côté nous connaît véritablement tennis australien, etc. Pour citer que cela. Et tennis là, je dis là, moment évolutif là, c'est à partir de 1968. Et la même période, ça tout, à partir de 1972, il y a une création de Sanrile ATP, Association Tennis Professionnel là. C'est véritable classement qui là pour classer joueurs de tennis. Et un peu plus tard, il y a un bon côté, mesdames, en 1973, bral gen création de WTA, c'est classement bon côté mesdames et tout qui bral qui bral prend naissance et bral gen tout c'est à partir pour fun côté précision ça c'est mesdames et bral jouer premier tournoi de tennis bon côté mesdames et bral gen c'est à partir de 1889 c'est du côté de Dublin et plus précisément en pays Irlande que premier tournoi que mesdames et bral gen accès pour jouer tennis etc. Et nous connaissons tennis là que gagne pas mal de grands tournois qui la donne et grand tournoi majeur qui dans tennis là on peut ça les tournois de grand chelem yo nous connaissons au nombre de 4 c'est Open d'Australien qui joue du côté de l'Australie et plus précisément la ville Melbourne qui joue depuis 1905 mais grand période il était qu'on jouait sous gazon c'est grand période précisément il était qu'on jouait sous gazon et à partir de 1905 que tout le monde a bral redéfini et bral juste sous Sanrile surface du là. Deuxième période dans c'est deuxième lot grand tournoi c'est Sanrile Roland Garros là ou international de France. Non pile monde toujours demander est-ce que Roland Garros c'est un est-ce que sont tennis est-ce que sont ancien tennisman français ou encore parce que il y a le monde qui dit que tout le monde a atterri en premier temps tout le monde a atterri yo té ball non de et tournoi de France, il vient littéralement le tournoi international et il y a des gens qui disent que il y a le Roland Garros. Effectivement que il y a le tournoi de Roland Garros parce que Roland Garros pas un tennisman mais puis à l'âge de 12 ans, son monde qui était très passionné de Samuel de football ou encore de basketball et très vite il a fait face à Samuel de pneumonie mais quand même de bas âge il vient grandir etc. Et vin gagner que très jeune, il passait à l'université et puis il était venu une période côté lui très jeune, il a lancé la question du business ni côté le gain business effectivement. Mais par contre, il y a un ami que qui était gain question que qui était la question aviation comme si acheter deux sortes de petits avions peut-être pour deux mois pour essayer d'étendre et du coup, bon, il était ouais un ami qui gain tout effectivement que lui-même était entré dans même démarche à tout prendre du petit avion, petit bail de petit avion capable dit pour essayer divertir etc. Mais très vite il a bral enrôlé dans l'armée française durant ça mais à cause de avion que il était gain que qu'on a pratiqué déjà, ça vient permettre lui au fil du temps à acquérir des expériences etc. Et très et bien rapide que il a bral enrôlé dans l'armée française et durant première guerre mondiale là que il a bral une
nan moun comme si yo t'a pral ba avion de chasse pou t'al goumé et cetera, mais malheureusement la même période ça que li t'a pral subi pas mal non attaque qui t'a pral fait sou li et il t'a pral mouri et cetera, mais la même période ça que yo t'ai décidé prendre tournoi, yo ralé tournoi de Roland Garros, c'est une pire récente compétition qui gagne au niveau de tournoi de Grand Chelem, c'est à partir de 1925, c'est pire récente compétition et cetera. Troisième lot tournoi après c'est ça relé Wimbledon. Wimbledon fait et du côté de l'Angleterre et la ville Londres et li gon particularité exemplaire c'est que c'est tournoi ça l'a joué ou toujours moun yo habillé tout de blanc et pour une fois dit tout c'est pi ancienne compétition tout parce que l'a joué depuis 1877 et l'autre particularité il gen là dans quoi gen que ce soit la reine d'Angleterre là ou la reine Elizabeth qui toujours participer dans moment ça ou encore différents chefs de gouvernement qui gagnent du côté de l'Angleterre. Bon, actuellement, la première ministre d'Angleterre, c'est Boris Johnson. Et la dernière édition qui a été faite là, il était participé. Et c'est ça. Mais tournoi, ça a fait dans la période du mois de juin et juillet. Et pour nous dire tout, Roland Garros, ça a fait dans la période du mois de mai et juin. Et Open d'Australie, c'est le premier tournoi de Grand Chelem sur l'année, il a fait dans le mois de janvier. Et oui, je dis, Wimbledon, je dis, il y a une particularité, il fait tout de blanc. Côté. Stade les lames jouées au niveau du stade il fait sous gazon et les lames jouées ce gazon c'est une surface qui est très rapide et les lames jouées tout bon particularité côté tout le monde dans stade là toujours bon on silence absolu et les que ce soit une ou deux joueurs ils fait marquer un point soit ils fait par des applaudissements pour solliciter joueur et l'autre dernier tournoi après c'est San Rilé US Open. US Open, li fait plus et du côté de les États-Unis à Flushing Meadows dans ville New York. C'est un tournoi qui a fait depuis 1881 qui fait son surface dure. C'est ça. Et puis il y a une question de Masters, tout Masters yo au nombre de 9 points ça. On est capable de dire que gain Masters a joué depuis 1887 et gain plus pas mal de Masters, gain Indian Wells, gain Masters Miami, gain Masters Monte Carlo du côté de la France, gain Masters Rome, gain Masters Shanghai du côté de la Chine ou encore gain Masters Canada, c'est ensemble de Masters ça. Et nous va laisser garder la méthode de comptage qui gagne au niveau de tennis, comment on contrôle les points au niveau de tennis. Et points au niveau de tennis, nous avons dit que deux joueurs, mon cap servant est toujours positionné la droite pour servir. Et puis points au niveau de tennis, premier point marqué, mon a gagné 15. Deuxième point, mon a gagné 30. Troisième point, mon a gagné 40. Et quatrième point, fait mon a gagné jeu. Ça veut dire pour le tennis, pour gagner, ça veut dire en tennis, 4 points bon en jeu. Ça veut dire premier point, moi prendre quoi? Premier point, mon a fait 15. Deuxième point, mon a fait 30. Troisième point, mon a fait 40. Et dernier point, lui permet mon a remporté jeu. Mais gen de situation tout joueur ou kon rive yo kon a égalité ça rele égalité côté joueur ou kon rive l'on situation côté yo 40-40 les ou situation de 40-40 là bon exemple un bon exemple Nadal et Federer. Nadal 40 et Federer 40 ça veut dire rive l'on situation là côté pour essayer de départager joueur ça ou entre Nadal et Federer faut gen ou qui fait 2 points tout suite de suite deux points de suite pour une gen joueur. Ça veut dire que 40-40, c'est Nadal a servi. Service Nadal là, Nadal remporté, li c'est avantage. Et si Nadal du coup gagne l'autre prochain si l'autre service libre la entreprendre, il gagne normalement que Nadal tout remporte jeu. Nous allons parler de comment moun remporter un set dans tennis. Si jeu égal à un set, l'en parler de si jeu égal à un set. Jeu 7 là ou ka gagne 6-1, 6-2, 6-4 ou encore 7-5. Mais à condition que l'un jeu a faut toujours gagner 2 points d'écart. Ça veut dire bon reprendre. Si jeu égal à 7, ça veut dire l'un 7 là faut toujours gagner 2 points d'écart sur l'adversaire. La situation peut être dans 7 là ou ka arrivé côté li ka rive li nan situation gen de situation kon rive li ka 7-5 li ka 7-6 nou pral obligé aller nou pral obligé jouer toujours pour jusqu'à ce que nous jouions 2 points d'écart pour nous ka séparer nous deux et j'en dis
Nous faisons une méthode de contagieux, peut-être nous allons entrer là, ça qu'a fait sous saison tennis là actuellement là. Bon, ça qu'a fait sous saison tennis là actuellement là, nous connaissons que t'es gagné tournoi je ne dis rien, c'est Open d'Australie, c'est le premier grand tournoi de Grand Chelem Souania qui fait du côté de l'Australie. Et moun qui remporte le tournoi ça, c'est Rafael Nadal, et qui permet Rafael Nadal tout venir un joueur qui peut titrer dans le tournoi de Grand Chelem avec 21 tournois de Grand Chelem. Et bon, particularité que tu as gagné dans le tournoi ça, c'est que c'est Novak Djokovic. Bon, nous connaissons qu'avec une exemption médicale que tu as gagné, qui te, il pensait que tu allais permettre de jouer le tournoi du côté de l'Australie. Mais malheureusement, que le gouvernement australien, à travers de M. Smith Morrison, qui est le premier ministre australien, mais il faut noter que l'Australie, son pays, son sorte de fédération liée, etc. C'est Smith Morrison, bon premier ministre australien, pas de permettre Djokovic de jouer tournoi. Il était obligé, nous rappelons tout ça qui est passé, que il était obligé d'enfermer Djokovic en côté jusqu'à ce que tu viennes de expulsion, etc. Nous connaissons ça, t'es créé un antécédent côté premier président serbien, t'es obligé de créer gouvernement australien. Bon, nous connaissons comment ça a fini. Et je dis que Rafael Nadal a remporté tournoi ça et Open d'Australien. Et sous Daniil Medvedev, Daniil Medvedev a mené 2-7 à 0. Mais Rafael Nadal a pas mal de ressources, ou encore motivation, aspect mental, qui permet de retourner dans le match quand il a battu Daniil Medvedev 3-7 à 2. Et sous même année, ça tout, il y a Rafael Nadal qui a participé dans le tournoi Acapulco. Et qui était fait du côté du Mexique. Et bien, dans le même tournoi, ça tout, Rafael Nadal était recroisé avec Daniil Medvedev. Et Daniil Medvedev, qui c'est tennisman russe, que Rafael Nadal encore te bat Daniil Medvedev dans le tournoi ça en demi-finale. Et que Tabral remporte, et Tabral passe pour t'en remporter le tournoi à Acapulco, etc. Mais nous, Rapsin, c'est laissé excentré sur Nadal. Parce que je ne dis pas, Nadal, c'est mon qui est plus. Et tournoi de Grand Chelem dans le série nombre de 21 et puis qui était derrière, que ce soit Roger Federer ou encore Novak Djokovic avec 20 titres. Mais Rafael Nadal, tout le monde connaît que c'est par ma année 2021, qu'on a une année 2021 extrêmement difficile avec des blessures récurrentes, avec une blessure récurrente qui permet les pattes véritablement au top. Mais pour l'année 2022, il y a un tonton monsieur qui c'est Tony Nadal et qui c'est ancien entraîneur monsieur tout qui t'était en font prédiction qui t'a dit que Jean-Louis ouais que Nadal a entraîné avec une certaine de technicité ou encore qui mettait à point mentalement il t'a dit que Nadal véritablement va faire un grand tournoi de Grand Chelem va faire une grande année 2022. Bon, effectivement que année 2022 samedi il était profité de absence Djokovic pour Open d'Australien et puis si tournoi à Capul qu'on était fait et encore Indian Wells qui était fait. Bon, malheureusement là il était perdu face à jeune américain qui était battu. Bon, même si que Nadal était relatif qu'il était aspect blessure etc., il pas en forme la finale là, mais quand même qu'il était perdu tournoi Indian Wells face à jeune américain etc. Et pour Masters Miami que cette fête là côté Masters Miami côté Pablo Alcaraz jeune espagnol de 18 ans remporté un et qui a remporté le sous polonais. Bon, Nadal pas de participer à cause dans la mesure que on moyen pour le permettre les mieux préparer tournoi de Roland Garros qui va venir hein. Roland Garros qui va venir le mois de mai, on connaît que Roland Garros il fait sous terre battu, c'est sous terre battu, c'est véritablement Rafael Nadal. Si on met ces véritables surfaces de prédilection Nadal, côté Rafael Nadal remporté 15 tournois de Roland Garros, c'est véritable tournoi, c'est véritable capable de surface prédilection même côté li domine. Et si nous était toujours bon côté monsieur, c'est des deux monde qui a demandé qui ça Djokovic fait etc. Eh bien, n'a pas dit que Roland Garros Djokovic a une possibilité pour le jeu tournoi de Roland Garros ça. Et c'est-à-dire que nous connaît que gouvernement français a et à travers premier ministre Jean Castex et bayon aval que peut-être et ou pas besoin vacciner pour entrer en France ou encore pas besoin sacrer les passes vaccinales là parce que bon moment de la durée pour te rentrer dans de certains pays européens ou t'as besoin sacrer les passes vaccinales là c'est ça n'est les 4 vaccinations hein, ou encore pour montrer que véritablement que vous vaccinez pour permettre ou gagner accès pour entrer dans le pays hein, et bien la France fait tout retomber ça ou lui-même ou pas mon n'a pas participé dans meeting. Bon, car nous avons remarqué pendant campagne électorale qui a gagné en France, parce que la France,
actuellement là les non période électorale côté gain on nous carré pas mal de élites et campagne présidentielle qui vient l'autre bois côté gain élection au niveau et élection présidentielle yo. C'est ça qui permet que Djokovic vienne pour participer dans le tournoi de Roland Garros, qui permet que Djokovic participe dans le tournoi de Roland Garros. Et c'est là les bons côtés mesdames yo. Bon bon côté mesdames yo et ça nous les circuits bon côté mesdames yo, ça nous les WTA et véritablement plus gros une un plus gros point qui était dominé par ça c'est bon côté mesdames yo, c'est australien mec, c'est Ashleigh Barty qui décidait mettre fin à carrière avec 25 ans seulement. Ashleigh Barty que nous connaissons en tennisman australienne mais avant tout qui était une joueuse cricket et qui était très avancé dans ça le cricket là bon t'es venu mettre fin à carrière cricket li et puis la carrière cricket li et puis il était prend au style il était destiné le tennis mais à 25 ans seulement il était décidé prend retraite li donc on est que surnommé déjà un ballon surnom qui est Ace Queen. Ace Queen là c'est un service que ou lanceur ou même qu'en façon pas qu'à jouer ça veut dire Ashleigh Barty c'est un monde qui était très bon dans ça malgré lui à malgré taille différence de taille capable de 1m66 mais ça va permettre lui surtout elle était contre surface bon très bonne lecture de surface et puis bon déplacement en pair sous court là c'est un tennisman droitier mais qui bon bon coup qui bon revers un très bon revers. C'est vrai, bon, malheureusement, que après que l'été remporté tournoi de Open d'Australie, beaucoup de mesdames, surtout ça, après 44 ans, que pas de jambes australiennes qui ont remporté tournoi ça, NBH Liberty qui ont remporté tournoi ça. Et récemment, il y a une meilleure amie qui s'est babarachée et qui a avancé, qui était long en cas d'interview, qui a pu garder comment qui s'est fait H Liberty, mettre fin à la carrière aussi tout comme ça. Bon, babarachée était relaté que depuis après dernier tournoi saison passée, qui était Wimbledon, non? J'aime toujours dire Wimbledon qui fait du côté de l'Angleterre, plus précisément la ville de Londres. Babarachée a dit que H Liberty depuis le fin de remporter tournoi ça, pas de même volonté encore pour te jouer tennis et malgré lui venir remporter Open d'Australien après qu'a jeune dit 44 pas de jeune gros australien qui t'a remporté tournoi ça et bien Ashleigh Barty décider mettre fin dans carrière et si n'a regardé sous circuit bon côté mesdames yo peut-être nous capable dire absence Ashleigh Barty qui monde qui véritablement qu'a assuré qu'a prend la relève là bon l'en garder yo un peu sous circuit si nous prend de garder le Naomi Osaka. Nous capable dire c'est véritable monde qui capable succéder mais malheureusement Osaka aujourd'hui a fait face à un problème sérieux c'est ça dans les santé mentale là côté dans dernier si capable dire dans dernier tournoi Indian Wells là nous rappeler nous face et dans dernier tournoi Indian Wells côté gon public qui était gon monde qui était en juste sifflé Osaka côté il te dit Osaka ou côté il te sifflé Osaka il te dit Osaka ou pas en forme ou pas qu'on jouer nous te voyons que ça terrifie Osaka na, normalement tout flanché dans match et puis qui tout est tombé crié tout ça et l'an dernier tout ma et Masters Miami bon côté mesdames yo côté Iga Swiatek te bat li en finale et en finale et en deux set et côté Iga Swiatek on capable dire que tu maîtrisé sujet côté Iga tu très bon dans match qui bat Naomi Osaka. Le tennis bon jeune dis le tennis mais nous carré jeune dis c'est Iga Swiatek qui sont polonaises très jeunes 20 ans seulement qui moi même c'est bon côté mesdames c'est un tennisman qui adapté là à tout type de surface parce que une bah toujours pensé qui très clair en tennis c'est ça les lecture de surface du jeu et qui va permettre jouer de stratégie pour parler même comment pour la contourner adversaire moi c'est Iga Swiatek à 20 ans c'est une joueuse qui est très prometteuse et j'aime dire la lecture de surface déplacement et dans courant revers lui et puis jeu de jambes et puis bon style très cadencé et tout et il joue en pile dans fond coulant côté il frappe très fort etc. L'autre tennisman peut-être nous capable bon, c'est Maria Sakkari nous capable dire que qui sont grecs mais moi bon, c'est que c'est un monde qui est très jeune mais il manquait qu'on joue c'est un juste parce que qui manque contre jeu et l'autre monde encore peut-être nous regarder c'est Elina Svitolina qui sont ukrainiennes qui c'est madame Marie Gaël Monvis et bon c'est deux monde véritablement sous circuit
qui pas fait long feu, ou encore capable garder de l'autre joueuse tant que Leila Fernandez très jeune, ou encore Emma Raducanu qu'on est que qui était remporté US Open saison passée à beaucoup de mesdames, mais qui pas trop est sous sécurité, mais qui plus destiné la question du mode etc. Ou encore gagner l'autre joueuse qui gagne de longue durée sous sécurité, mais moi c'est que ça j'aime dire que monde qui peut-être qui ca récompenser et compenser à absence Ashley Barty, je suis capable de dire que c'est l'abjure entre Iga Swiatek et Naomi Osaka, mais faut Naomi question de dépression que Naomi a fait face à, moi c'est que faut son problème très sérieux, moi c'est tout le monde qui est autour de lui peut-être qu'a aidé ou encore médecin gagne de manière personnelle qu'a aidé le surmonter pour tout problème ça ou etc. C'est ton plaisir pour nous déposer ce numéro ça pour vous. J'aime toujours dire et on a toujours gagné numéro ça, c'est Flash Sport, l'a toujours passé sur place ça qui c'est Flash TV Haïti. J'aime toujours dire Flash TV Haïti nous présent sur toute plateforme net, qui soit Facebook, Twitter, Instagram ou encore channel YouTube noir. Ou quand toujours monter ou like émission yo, ou partager et ou porter des commentaires, ces commentaires ça va permettre nous avancer etc. Au prochain numéro, c'est à bientôt. Bye. 3, 2, 1.